est très heureux de vous accueillir au Théâtre Mogador, qui est un lieu fabuleux qu'on adore, pour vous parler de RSE. Cette soirée, il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'intervenants extrêmement intéressants dans les territoires, des associations, mais aussi beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans cette grande aventure de la RSE. Mais cette soirée, on l'a montée avec nos amis d'APF et d'APF Entreprises. Ce chômage de longue durée, je l'ai déjà dit, c'est un fléau, une gangrène pour le corps social français. Ça le taraude de l'intérieur. APF Entreprises s'est ainsi résolument lancé dans cette voie en accompagnant et parfois même en favorisant des démarches auprès de ses donneurs d'ordre. Et pour que ces deux mondes, celui de Matra et celui du professeur Carpentier, celui d'une entreprise adaptée de l'APF et celui d'Air France, puissent se mettre à se parler, eh bien, il faut qu'il y ait des synapses, des milliers de synapses. L'importance de travailler au plus près des territoires, ça a été vraiment souligné. C'est un véritable levier de dynamisation des bassins d'emploi et bien souvent synonyme de croissance économique. Parce que les leaders de demain, ça sera certainement des gens qui viennent de la diversité, qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on connaît. C'est ça, en deux mots ? En deux mots, oui. Alors qu'ils viennent des quartiers, qui viennent de zones rurales aussi. C'est encore plus important maintenant. L'idée, c'est de faire en sorte, effectivement, qu'ils se projettent vers un avenir. Et cet avenir étant au plus haut niveau dans les entreprises. Alors, c'est l'inventeur du congé solidaire. Oui, et donc vous l'avez sur la plaquette, hein, Planète Urgence, c'est aider les entreprises à agir en envoyant, en accompagnant des salariés pour développer des actions de solidarité avec les pays en voie de développement. Donc Stagiaire Solidaire, c'est un peu plus de 2 ans. Donc pour rappeler, c'est des stages partagés entre entreprises et associations pour permettre à des jeunes de se développer dans 2 environnements différents, de prendre des initiatives et de mobiliser leurs 2 équipes pour, à terme, créer des projets communs. GreenMe qui a mis au point un objet connecté dédié à la mesure du confort dans l'espace de travail. Cet objet est posé sur chaque bureau, chaque salarié peut s'exprimer en temps réel sur différents critères et son bien-être au travail. C'est une start-up qui a mis ça en place. Pour améliorer les déplacements professionnels et personnels des salariés, Cyclé propose d'accompagner les entreprises à travers un véritable système d'équipement et de services pour vélos à assistance électrique. C'est une entreprise norvégienne, mais je dirais plutôt aujourd'hui norvogienne. D'accord. Puisque là, on habite, nous, ça fait maintenant 25 ans que nous sommes sur les Vosges. À l'époque, l'idée, c'était de se dire, nous sommes dans un monde en déclin, notamment avec l'avènement de tout ce qui est numérique. Et pour nous, c'était de trouver une manière de nous différencier. Qu'est-ce qui ressemble plus à du papier journal que du papier journal ? Donc, partir sur cette démarche, nous faisions de la RSE sans le savoir. Donc, vous avez mis en place un système qui leur permet, via la défiscalisation, en fin d'année, de récupérer de l'argent de leurs fournisseurs pour financer le programme de leur choix. L'idée, c'est qu'on s'engage à reverser 1% de notre chiffre d'affaires à l'ONG choisie par le client. Et on a inventé un contrat de prestation qui permet que les sommes que nous versons, nous, pour l'association, que ce soit le client qui bénéficie du levier de défiscalisation. Que Socoda est un groupe qui regroupe des distributeurs en France. Et depuis 2004, le groupe Socoda a veillé à faire du développement durable une priorité, d'où l'embauche de Marie Van Dijk depuis 3 ans, pour effectivement donner dans les entreprises, PME, PMI,
qui sont dans le négoce de bâtiments le maximum de chances de réfléchir un peu plus à la démarche RSE. Nous sommes aussi impliqués là-dedans. Donc des acteurs publics qui d'habitude ne veulent pas trop travailler avec des acteurs privés parce qu'on a peur de la récupération d'images, et des acteurs privés de grands donneurs d'ordre qui se disent s'il y a des acteurs publics qui financent, il va y avoir de la récupération politique. Eh bien, on a réussi à décloisonner tout ça avec un porteur de projet, l'Union patronale du 06. Créer un produit qui est meilleur pour l'environnement qu'une lessive classique, on a l'impression de faire le job. Or, il y a des vraies prises de conscience aussi de se dire que, le consommateur est hyper important et c'est lui qui est à l'origine de 85% de l'impact environnemental d'une lessive. C'est nous, avec toute l'équipe, on a voulu faire bouger les lignes et intégrer la dimension RSE dans l'offre de produits et services, et pas en faisant juste quelques offres de niche, en ayant vraiment une démarche structurée. C'est une démarche très originale, de team building, qui est proposée aux collaborateurs d'entreprise, sur le thème de la reforestation des forêts françaises. C'est original, c'est écologique, c'est concret. Pénélope, il y a 10 ans, a décidé de lancer une politique offensive en matière d'insertion de personnel en situation de handicap. Seulement dans le domaine de l'événementiel et de l'accueil téléphonique, c'était pas nécessairement chose gagnée. Alors pour ça, j'ai cru comprendre que Pénélope a trouvé une formule magique. La formule magique, c'est la différence en matière d'insertion de personnes handicapées, la différence c'est la compétence, tout simplement. Et en appliquant cette formule, donc, avec nous, APF Entreprises, on a réussi, en matière de co-traitance, qui est le modèle qui a été développé ensemble, à générer de magnifiques réussites qui sont un exemple, effectivement, de ce que vous aviez souhaité faire depuis 10 ans et que vous avez réussi à réaliser depuis 2014. Donc bravo, Pénélope. Plus de 3400 en équivalent temps plein. 3400 sur le territoire français, oui. C'est une activité qui ne se délocalise pas. Non, c'est très franco-français. C'est lancé il y a près de 10 ans dans notre projet du handicap. Donc, je vais dire la chose principale, c'est la volonté. Donc voilà, ça a été un projet très fédérateur au sein de l'entreprise. Les organisations syndicales, les salariés, la direction, on a travaillé main dans la main. Un leader mondial de l'écosystème des clouds d'entreprise, n'est-ce pas ? C'est aussi un expert en gestion de relations clients en ligne. APF Entreprise s'est lancé cette année dans le développement d'un nouveau modèle économique. Et que ce modèle économique, il va dans le sens de générer plus de proximité, d'interactivité avec nos clients. Il va dans le sens de professionnaliser nos équipes. Et on avait besoin pour ça d'une plateforme. Et cette plateforme, on l'a trouvée avec Salesforce. Et ce qu'on a apprécié en particulier chez Salesforce, c'est une énorme souplesse qui nous a permis de co-construire un business model qui est en train de produire des effets assez étonnants. Donc merci beaucoup Salesforce. Alors Olivier Derrien, qui est le Senior Vice President Europe du Sud, c'est ça ? Oui, je suis senior, oui. C'est super sérieux ça comme job ? Ouais, c'est super sérieux. Donc moi, mon job, c'est de contrôler la croissance, c'est de faire en sorte que des gens comme vous, ou nos clients, parce qu'il y en a quand même un certain nombre en France, réussissent leurs projets, en particulier en collaborant différemment avec votre propre écosystème ou avec vos propres clients. Eh bien, bravo. On applaudit Salesforce pour ce prix. Merci beaucoup. Voilà. Je vous serre la main. On fait du design. Alors, on est basé à Paris, mais on travaille avec APF à Évreux. On n'est pas dealer, mais on produit
du mobilier, des luminaires, des objets qui sont signés par des designers indépendants et que ensuite nous on se charge de développer et de porter sur le marché et que vous pouvez trouver aujourd'hui chez des revendeurs un peu partout en France et on commence dans le monde. Et parmi ces produits, on a des luminaires, un luminaire en particulier qui a démarré notre aventure. C'est ce qu'on voit à l'image et qui est 100% fabriqué dans les ateliers d'APF à Évreux. Donc ce luminaire qu'on voit là dans cette cuisine, c'est un luminaire d'art qui a été fabriqué dans des ateliers avec des personnes en situation de handicap. Oui, et c'est fabriqué en série puisqu'on en fabrique pas loin de 6000 par an. On a un atelier de 20 personnes qui travaillent à plein temps. Merci. Je voudrais juste rajouter que donc cette PME de 14 personnes emploie 20 personnes en situation de handicap chez APF. Donc c'est ça qu'on a particulièrement apprécié. Merci de nous avoir fait confiance et vous méritez amplement ce coup de cœur. Simple, c'est d'avoir un témoignage croisé à la fois de la région Nord-Pas-de-Calais qui a mis en œuvre cette stratégie et puis d'autre part d'avoir un retour d'expérience des entreprises qui justement ont contribué dans le cadre de la région. Donc je vais laisser la parole à messieurs Duindot et L'Herbier pour cette initiative au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais. L'APF, je dirais un exemple assez extraordinaire parce que qui a priori pourrait penser que la troisième révolution industrielle va mobiliser une association. Quelle est la place de l'APF en fait dans ce projet de territoire? Tout simplement, on est parti d'un projet, le nôtre, le projet associatif, avec un questionnement, une hypothèse de base. Est-ce qu'il peut y avoir un dénominateur commun entre un projet associatif tel que le nôtre, construire une société inclusive, et pas forcément en un premier temps la troisième révolution industrielle, mais une région en transition? Le développement économique local des territoires, il passe souvent par l'électricité en réseau. Donc notre politique industrielle, elle s'est inspirée, elle a reposé sur ces enjeux. Comment l'a-t-on décliné? En fait, on a souhaité avoir une politique industrielle et donc une politique d'achat qui réalise un bon équilibre entre les grands groupes et les PME, PMI, voire les très petites entreprises. Un exemple à mettre en place avec l'APF localement, c'est un exemple de production. Donc on a signé un partenariat avec Serge, quand on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on allait enfin en fait, reproduire une marque française sur le territoire français. Donc avec les produits Thomson aujourd'hui à l'APF, on utilise en fait évidemment le personnel de l'APF avec la conception software de nos machines qui est faite en interne. Tout de suite, nous avons eu envie de rapatrier notre production en France. Pour nous, la couture, le prêt-à-porter, c'est français. Rifkin, effectivement, qui a placé au cœur du territoire cette réflexion sur l'innovation, on va dire, responsable. Et je pense qu'effectivement, sur cette co-construction avec des acteurs, on peut laisser Olivier Delabroix d'Air Liquide nous parler justement de cette expérience qu'il a menée depuis 2 ans chez Air Liquide. J'ai créé un petit labo en mode commando qui s'appelle l'iLab, qui est au centre de Paris. Et dans ce labo, vous allez trouver des historiens, vous allez trouver un anthropologue, une designeuse, et donc tout ce qu'on appelle des sciences molles, les sciences humaines. Et nous avons eu une réponse d'APF Amiens qui a changé un peu la donne, puisqu'elle a introduit des bénéfices qui étaient des bénéfices un peu bonus, qui n'étaient pas attendus, qui étaient des bénéfices sociaux, sociétaux, et d'innovation. C'est-à-dire que nous nous sommes associés avec 12 entreprises, tous acteurs et maillons de la chaîne de vie du textile, pour trouver la meilleure façon de recycler le textile. Alors, en deux mots, Inbo, c'est une entreprise où on conçoit, on fabrique et on vend des équipements de mode et sport en bois, bambou et fibres naturelles. Des équipements de sport en bois et en bambou. Exactement, donc comme des lunettes en bois, comme des skateboards ou comme des vélos en bambou que je vous présenterai juste après. La table ronde se renvoie un petit peu puisque le territoire est vraiment au cœur de cette question de RSE, créatrice de valeur, et je dirais qu'il faut au mieux allier efficacité entrepreneuriale et utilité sociale, et puis démonstration, puisque les deux tables rondes étaient dotées de démonstrateurs, et je pense que la RSE doit être concrète.